Hello, this is the captain speaking, Jean-Michel Commander Lieux, Clairière, à 1800 mètres, dans le vortex 5D, base extraterrestre, poche de 5e dimension et poche de vraie ligne de temps. Et au fond là-bas, à la montagne à gauche, il y a eu des flashs, il y a un vaisseau de patrouille qui est là. Comme souvent quand je suis tout seul. Quand je suis avec un petit groupe, c'est différent, c'est d'autres vaisseaux qui viennent. Alors tout au bout, là-bas derrière les montagnes, c'est l'endroit où a été photographié le vaisseau d'évacuation de 300 mètres de diamètre. On remettra la photo. Alors je prends ici cette clairière parce que c'est un point qui pourrait parfaitement être un lieu d'atterrissage. C'est le genre de lieu isolé où peuvent atterrir les navettes, scout ship en anglais, de nos vaisseaux. Et ceci donc est pour illustrer la série que je vais commencer sur les atterrissages de vaisseaux, les protocoles, comment ça se passe, des photographies dans le passé, des vidéos, etc. Hello, this is Captain Jean-Michel Commander Lieux. On va commencer une série de vidéos sur les contacts physiques. C'est pour ça que j'ai présenté cette clairière au milieu d'une forêt, dans un endroit totalement isolé, en montagne. C'est le genre d'endroit où les contactés physiques ont eu leur contact. On repart au contact physique. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Un contact physique, on va expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est un atterrissage de vaisseaux spatiaux qui viennent d'autres mondes. Un atterrissage au sol, ici, sur la Terre, dans des endroits spécifiquement choisis, avec des frères et sœurs de l'espace qui sortent de la navette. C'est souvent une navette qu'on appelle un scout, un scout, et qui communique donc directement soit dans la langue du contacté, soit par télépathie, ou la plupart du temps ce sont les deux. Et à partir de là s'établit une série de communications, d'informations, de messages donnés à ce contacté physique. Voilà. Alors, pourquoi on revient au contacté physique ? Parce que c'est la seule forme vraie, authentique de contact extraterrestre. Point barre, il n'y en a pas d'autre. Parce que quand il n'y a pas cette densification, cette preuve matérielle d'atterrissage, de contact direct avec des êtres d'autres mondes, quand il n'y a rien de tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout ce fatras qu'on appelle channeling, qui sont des contacts uniquement vaguement médiumniques avec une perception, bah oui, je sens un être, alors je reçois, puis l'être va me parler. Vous vous rendez compte la différence entre les deux? Comment voulez-vous faire confiance à des contactés aujourd'hui qui sont uniquement psychiques, on va dire. Comment est-ce possible? On ne peut pas, pas dans ce domaine, d'accord? Si c'était le domaine, ah oui, mais moi je m'occupe de contact avec des décédés, et je leur parle et je donne l'information à leur famille. Oui, bon, ben d'accord, là c'est médiumnique, c'est psychique, la personne va parler avec ce qu'on appelle sur Terre des fantômes, etc. Bon, il peut y avoir quelques photos, mais enfin, ça, vous voyez un peu la différence avec les contacts physiques, hein, je voulais absolument montrer ça. De plus, j'ai prouvé par A plus B dans mes vidéos, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui le font, que 95% des channelings sont faux, c'est zéro. Et il y a 5% qui ne se font pas connaître ou très peu,
comme par exemple Tom Smith, dont je vous ai donné un message qu'il a reçu d'Ashtar. Il ne voulait pas se faire connaître, il était connu juste de quelques autres commandeurs d'Ashtar, etc., comme moi. Voilà, voilà, ce genre de 5%. Donc, on oublie complètement toutes les informations extraterrestres qui arrivent aujourd'hui, que ce soit des gens psychiques ou médiums, ou que ce soit des gens qui ont été dans le programme spatial secret, hein, avec des extraterrestres non bénévoles, négatifs, et qui viennent nous faire de grandes révélations. Ça ne vaut pas non plus un clou, ça ne vaut pas un clou. Voilà, ça, c'est le capitaine qui dit ça. Donc au niveau des contacts physiques avec des vaisseaux spatiaux, de la flotte d'Ashtar, ça n'en a, qui est la seule officiellement mandatée pour s'occuper de l'évolution spirituelle de cette planète et de son ascension. Hein? Voilà, c'est l'organe officiel. Le reste, c'est du business, c'est des contacts qui arrivent comme ça, mais ça n'a rien d'officiel. Il faut bien comprendre ça. Hein? C'est pas parce que ceux qui en parlent font un grand buzz avec que c'est un mandat de la hiérarchie spirituelle de l'univers qui vient ici. Pas du tout. Et pour ce qui est du reste, tous les autres branches du New Age, hein, tels que d'un côté les Melchizedek, de l'autre côté les gens qui disent ben, nous sommes des anges sur Terre, incarnés sur Terre, et voilà ce qu'on vous dit. Bon, c'est peut-être très joli tout ça, et très compliqué la plupart du temps, mais ça n'a rien à voir avec la flotte d'Ashtar, Adonisis et Sananda, qui est là pour aider l'humanité dans l'ascension vers une forme plus haute de fréquence dans le nouvel univers. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Alors, on va par exemple parler un peu de comment ça peut se dérouler un contact physique. Hein, je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y a des choses très spéciales que j'explique uniquement quand j'emmène des gens dans un endroit comme cela. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le petit groupe que j'ai amené, qui a été synchronisé. Hein, revoyez cette vidéo. Revoyez également la vidéo où Adonisis explique le synchronisateur, hein, la liaison avec le synchronisateur principal qui se trouve dans la base d'Eldorado, etc. Vous avez vu que c'est assez précis. Ce n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de procédures qui entrent en compte. Et généralement, bien entendu, les gens qui sont contactés ou qui travaillent dans le programme d'Ashtar, Adonisis, Sananda, qui sont au départ des opérateurs sur Terre, ou qui deviennent des membres d'équipage, hein, c'est ce que j'appelle les équipages, moi, et qui donc sont vérifiés dans ce genre d'endroit, et synchronisés, puisque c'est exactement ce qui nous est arrivé là, le 27 juillet 2018, avec quelques membres d'équipage. Je vous remettrai encore quelques photos supplémentaires, hein, parce qu'en infrarouge, on peut avoir, donc, moi j'arrive à avoir ces choses-là, ceux qui sont avec moi aussi, et les vaisseaux et ce qu'ils envoient est présent sur les photos infrarouges. Ça donne une preuve supplémentaire qu'on n'est pas dans le délire, l'imagination et la fabrication de channeling dans la tête, comme le font 95% du New Age, si ce n'est pas 99%. Donc on imagine un endroit comme ça, les contacts physiques se préparent très longtemps à l'avance. Bon, j'ai parlé de la synchronisation. Cette synchronisation se fait très très longtemps à l'avance pour avoir un atterrissage de navette. Il faut que le sol soit préparé depuis longtemps. Ça ne peut se faire que dans des endroits choisis et dans très peu d'endroits sur la planète. Hein, les scouts ne peuvent pas atterrir n'importe où. Hein. Ceux qui vous racontent des histoires sur Internet, que les vaisseaux vont atterrir partout sur la Terre, dans les grandes villes,
au milieu de Central Park et quoi encore? Pourquoi pas devant la pyramide du Louvre tant qu'on y est, hein? Ou l'esplanade de la Tour Eiffel? Non, 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 ça c'est du bidon, ça. C'est pas possible. Ce ne sera pas des gens de la lumière qui vont atterrir dans ce cas-là. Ce sera autre chose. Et il vaut mieux pas y aller et écouter ce qu'ils vont dire. Ça se prépare donc. Hein, toute la nature est en liaison avec ça. La nature va s'arrêter comme s'il était gelé pendant l'atterrissage d'un scout. L'atterrissage se fait en prévenant, le contacter bien à l'avance. Il y a plusieurs endroits choisis, point numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Hein, vous voyez ça dans les livres de Georges Adamski, Howard Menger et certains autres, ou si, Eugenio Siragusa, quand vous pouvez trouver le livre. C'est assez bien expliqué. Donc vous voyez un peu qu'il y a beaucoup de protocoles à observer pour des contacts avec des frères et sœurs de l'espace. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas du dessin animé style New Age qu'on voit aujourd'hui, hein, partout. Je dis bien partout. Donc pour conclure une petite vidéo, hein, je vais vous montrer un certain nombre de représentations d'atterrissage, des photos également, etc. Disons pour illustrer un peu le propos. D'accord? Je vais devoir enlever ce beau paysage qui est derrière, parce qu'il y a de grandes sautes de vent ici, hein, quand même à 1800 mètres à peu près. Ce qui est très bien, parce que de toute façon, c'est la canicule partout, mais pas ici. Ici, c'est merveilleusement frais, excellente température, avec même du vent. Donc, on va être obligé d'aller dans la forêt pour continuer, pour être sûr qu'il n'y a pas de vent et qu'on puisse bien entendre ma voix également. On va essayer maintenant de faire des vidéos plus petites en raison d'une situation que j'expliquerai plus tard. Je vais l'expliquer là-bas, tiens. Et qu'on appelle le déficit d'attention, qui est extrêmement, extrêmement répandu dans tous les gens qui vont sur Internet, qui regardent YouTube et qui vont sur Internet, qui est répandu dans une grande majorité de gens qui ont de 7, pas à 77 ans, non pas, de 7 à 30, 35 ans. À cette catégorie de la population, ces dernières générations, y compris la génération Z, souffrent d'un désordre, j'appelle ça un désordre énorme, qui est le déficit d'attention. En anglais, c'est attention span. La largeur de possibilité de l'attention s'est réduite comme une peau de chagrin, et on expliquera plus tard pourquoi. Donc, c'est bien aussi que je fasse des vidéos courtes, parce que comme la plupart de ceux qui regardent la chaîne ont ce déficit d'attention, sauf mes équipages, nos équipages, parce qu'il y a des équipages d'autres capitaines, qui eux font l'effort de regarder la vidéo en entier. Mais il y a beaucoup qui regardent juste un tout petit morceau. Alors, en avant, on vous montre des photos et des représentations d'atterrissage et de contact physique. En avant.